J'ai trouvé un patron, j'ai mes papiers et je travaille aujourd'hui en CDI dans la restauration. Merci. Ils sont fiers. Fiers d'avoir triomphé de tous les obstacles, d'avoir réussi alors que tout semblait perdu. Quand ses parents disparaissent, Patricia quitte la République démocratique du Congo. Elle a 17 ans. 4 ans après, grâce à l'association Trois Amis, elle va pouvoir passer son bac pro hôtellerie. Quand je suis arrivée en France, ce n'était pas la même chose que je pensais. Et du coup, j'avais plus d'espoir. J'avais peur déjà. Quand tu es une fille à la rue, tu n'as personne. Tu as peur d'être violée, d'être tabassée. Mais du coup, quand j'ai pu intégrer Trois Amis, pour moi, ça m'a redonné encore l'espoir de dire que oui, je vais arriver, je vais aller jusqu'au bout. Patricia n'avait pas été reconnue mineure isolée. L'accès à la scolarité lui était d'autant plus difficile. Personne ne sait ce qu'elle serait devenue sans les associations qui l'ont accompagnée. Ces jeunes, on les insère dans la société. Et vous avez vu tout à l'heure, hein, ils arrivent à avoir des diplômes, à avoir un titre de séjour avec possibilité de travailler, à décrocher un boulot parce qu'ils sont tellement motivés que les patrons, bah, ils se disent « mais quelqu'un de motivé, moi je le prends tout de suite ». En 2018, 50 000 jeunes migrants avaient demandé le statut de mineur pour être scolarisés. 17 000 seulement l'avaient obtenu. En France, tous n'ont pas la même chance parce qu'il existe de grandes disparités d'un département à l'autre. On a des départements qui vont scolariser les jeunes, quelle que soit leur situation administrative, comme c'est la loi. Et puis des départements qui ignorent finalement, en partie en tout cas, cette disposition légale et qui vont attendre que les jeunes soient reconnus mineurs non accompagnés par le département avant de les scolariser. En 5 ans d'existence, l'association Trois Amis a accompagné 250 mineurs. 100 d'entre eux ont déjà obtenu un diplôme et cette année, 11 ont décroché un CAP, soit 100% de réussite.